Et salut à tous, c'est Xeno, on se retrouve pour la 12e partie de Pokémon Emerald en Nuzlocke Challenge. Du coup, la dernière fois, on avait réussi l'arène, bon, non sans mal, avec deux morts quand même. Avec Chokchan qui est mort et Tonton, qui a servi un peu de sacrifice. Bon, bah, du coup, j'ai fait un peu quelques dresseurs, tout ça, j'ai fait un peu la maison des pièges aussi, histoire de gagner quelques levels. Bon, du coup, Asmo est passé niveau 40. GKN a un peu monté, alors du coup GKN il a pris lance-flamme au niveau 29, du coup on risque. Je vais peut-être le faire évoluer tout de suite du coup. Alors, on va aller chercher la pierre feu. Hop, on va chercher la pierre feu. On va retirer la pierre feu. J'ai retiré trop de trucs. On va déposer. Donc j'espère qu'en Fenrir pourra prendre plénitude, ça pourrait être intéressant. Mais je crois que je me mets le gros doigt dans l'œil en fait. J'ai dû fumer. Ou c'est peut-être après qu'elle la prend, je sais pas. Bon, ah oui, j'ai fait la maison des pièges, du coup j'ai eu quelques objets. Le bout fumé. Ouais, quand même, c'est vrai, j'ai eu la CT provoque. Alors provoque peut-être m'être utile pour la prochaine arène en réalité. Du coup. Je vais peut-être la garder. La provoque, c'est une attaque de soutien, plus ou moins, qui oblige le Pokémon en face à forcément attaquer. À pas utiliser une compétence, genre soin ou ce genre de truc. Donc ça pourrait être très utile. Oui, je voulais faire évoluer GKN du coup. Parce que maintenant il a son stab feu. Après, on s'en fout. Il va avoir Psycho, je pense. Et du coup, on va avoir un magnifique Fenard. En réalité, je sais pas s'il va même très utile à la ligue en vrai. Peut-être au début de la ligue. Donc, c'est sûr, pour l'arrivée, il va pas m'être utile du tout. Du coup, nous avons un Fenard. Du coup, on va regarder un peu ses stats par rapport au Pix. Résumé. Oh, il y a Torche. Ouais. Bon, ça reste Fenrir quoi, c'est pas. C'est un beau Poké, mais pas avec des statistiques de ouf. Puis sans sécheresse. Bon, du coup, on va voir s'il peut prendre plénitude. Oui, bah non, j'ai dû fumer alors. Bon, je vais pas l'utiliser sur lui, j'ai qu'à sensu. Qui pourrait l'apprendre, j'ai qu'à sensu. Personne. Onde de choc. D'abord la bombe magique. Bombe d'arc. Personne. Bon, surchauffe, oui. Du coup, on va aller dans la maison à notre ami là. Il va nous donner plongée, je crois. Voilà. Xenon. On a donné plongée. Voilà. Il va me donner plongée. Du coup, on va aller dans le bled là-bas. Ah non, faut aller dans la team. Faire la team aqua. Bon, alors, du coup. Alors, ça me fait chier par contre plongée parce que c'est une attaque de lumière. Enfin, ça fait 60, je crois. Ouais, c'est ça, 60. Lunette, du coup. Sinon, je pense que. Ouais, il y a cascade aussi. Oh, c'est chiant les CS. On va mettre un super repousse. Bon, il faut que je regarde les potions. Est-ce que je suis bien en potions? Ouais, ça devrait le faire, je pense. Au pire, je me barrerai, c'est tout. Allez, coup de fil à la con, il y en avait pas longtemps. Oui, alors j'ai fait quelques dresseurs hein, par là. Alors, du coup, on va utiliser plongée. La musique est sympa. Bon, pour accélérer un peu. Ah, là, il doit y avoir un objet. Voilà, il est quelqu'un. Non, ils sont là. Non, ils sont là. Il n'y a pas d'herbe, du coup, c'est pas grave.
tunnel par là. Non, il n'y a pas d'objet. On va faire les guignols. Je sais que ça c'est chiant. Alors là, on voit le sous-marin. Exploration 1 pour Bressel. Du coup, on remonte. Alors, me demandez pas comment il fait le héros pour respirer sous l'eau. Alors, je sais qu'on peut avoir des pokés là aussi. Du coup, ouais, j'ai la 3 qui force normalement. Voilà. On va bien voir sur quoi on tombe. Alors du coup j'ai mis qui en premier à ce moment. Bah, je vais peut-être mettre Net, histoire qu'elle prenne un peu de level. Ah non, je vais peut-être mettre JKN du coup. Enfin je sais pas, on va voir les pokés qu'il y a. Parfait. En vrai je reprendrai peut-être un Osferalto aussi. Ah je sais pas. Parce que c'est long à faire évoluer un Osterfer. Du coup Fener. Ça, j'aurais pas dû faire ça, j'ai accéléré comme un con. Alors du coup on va changer les attaques. Ça. Ça. Non, ça. On va mettre la potion. On va continuer. Ah, pocket zone. On sera-t-il bon? Je fuis, c'est un doublon. Ah, Kervin, par contre, on va se barrer. On va une attaque pro. On va la boule magique. Tonnerre. C'est que c'est un bordel là. Du coup, on vient là. Pocket zone, encore une sortie. Du coup, pocket zone, toujours un putain de sortie, mais je crois qu'il n'y a que ça. Là. Si, il y a des putains de Wellner aussi, alors Wellner, on s'en fout. On est déjà. On va continuer. Je sais que c'est un bordel par là. Non, pas ça par là. Ah oui, non, ça ramène à l'entrée. Ah oui, ça aussi, c'est logique. Alors, on recommence. Il y a des noms sur Alti ici, j'ai l'impression. Je devrais entraîner mon lit plus que VK tout de suite. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que pourrait m'être utile pour la prochaine arène, au moins tanker les coups. Surtout ça. Et lui, on pourra le. Il y aura peut-être le GX pour. À l'arène. Bon, je ferai peut-être un leveling avant l'arène. Comme... Sérieux, j'ai envie de dire. Un Osferato. On va le tuer parce que ça donne de l'XP. Récupérer séisme là, mais je suis pas sûr. Séisme, ça serait pas mal. Je peux peut-être la prendre à Altarion. Ah oui, puis je vous ai pas dit, Asmo a appris dans ce Draco. Qui augmente d'un cran la vitesse et l'attaque. Alors là, c'est toute une chiasse aussi. Tac, ça se sent la baise, je le sens. Ouais, voilà, on va rappeler de ça. Ah.
Toi aussi, c'était une belle idée de merde, quand même. Alors, courant, la con. Là. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Bon, du coup, on recommence. Tac. 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 Ça va être con, on va sauvegarder là, on va voir si ça prend encore une commande, mais je resetterai au pire. On a pas un objet, je crois. Ah mais ça ramène de l'autre côté là. Ah il y a tout un objet là. Non. On va accélérer un peu. Tac. Tac. Hop, on va monter. On va faire les trous du cul là. Magie qui devant. J'ai un bout magique. Un bout magique et des mots. On va mettre une lunette. Les deux ennemis je crois, ouais, c'est ça. Ah, Sharpedo. Ah, ça c'est la merde. Non, bah non, je le passe en fait. Je suis con. On va faire un de. Par contre, les cartes de niveau, je sais pas si une minute elle va aimer. Putain, quel con. Les figurines, ça. C'est un œuf ou quoi, c'est dégueulasse. Donc vous voyez des mots. Du coup, on va faire tourner le surf. Ça dégage. Étincelle, ton roche. Ça c'était sûr. Parfait. On est à 30. 2042. Parfait. Tac. Du coup. Du coup, je vais pas avoir autre chose qu'un putain de Nosferatu, du coup. Merde. Je crois que j'ai fait de la merde. Il y a 2000 autres choses, il y a plus autre chose dans cette putain de grotte là. Ah bah si, c'est là, c'est séisme, ça. Ouais, parfait. Bon, cible, ça a gardé précieusement, ça. Bon, là, on va voir Kyogre. Est-ce qu'il y a un combat contre l'autre tête de mieux? Je sais plus trop, en réalité. On va mettre des potions, quand même. Bon, voilà. Bon, la boule magique, ça peut le faire. On va faire du captage. Ne bouge pas, reste là. Je suis à ton avis de Pokémon ancien.
Ah oui, moi je le combat du coup. Grayena, ça c'est chiant comme bloqué. Ça chie beaucoup, t'es niveau 41 en France. Faut mal reculer. Bouffe-toi. Petit bourrage. 41, la boule magique, mais la lumière. Ah, ça, la lumière, ça peut être pas. En vrai, je vais l'enlever à la place de ce. Non, en tout cas, je préfère protéger un instant fait. On va rester. Tonnerre. Enfin, non, c'est un peu de la merde en fait, ma lumière sur le. Surtout le physique. Étincelle. Prends une potion. Oh, parfait. Parfait. La boule magique qui fait le top, dommage qu'il soit pas à chaque pédo. On va rester. Tonnerre. Parfait. On est à 31. On prend le grêle. Non. Parfait. Bon, lui, on l'a battu. Et voilà, Kyogre qui se réveille. Du coup, on va aller à la prochaine ville. Parce que l'herbe rouge étonnamment ne réveille pas Kyogre, hein, ça a tendance à l'énerver plus qu'autre chose. Du coup, on va voir que ces deux cons, comme ils ont réveillé les deux Poké légendaires à la con, bah, ils ont créé la fin du monde, plus ou moins. Alors, ça va pas de pleuvoir, il y a de la sécheresse. Là, il voulait contrôler Kyogre. Il y en a un qui voulait contrôler Kyogre et l'autre Goudon. Là, du coup, ça flotte. Il y a de l'orage, tout ça. Une musique à la con. Du coup, ah, je pense qu'on va peut-être pas aller tout. Ah, si, on est obligé d'y aller de toute façon. Ça dépasse l'entendement. Du coup, il y a l'autre qui se débarque, qui nous demande des questions. Alors, pourquoi il y a de la chaleur? On accélère un peu parce que ça sera un peu chiant. Il me dit d'aller à la prochaine ville. Bon, bah, du coup, on va s'exécuter. Ah, j'avais oublié un dresseur là, qui est étonnant. Moi, j'avais pas tout fait, j'ai un peu rushé. Bon, parfait. On va continuer. On va donner encore son numéro. Alors allez, je sais que c'est galère pour y aller à cette putain de ville là. À chaque coup j'en chie comme un con. C'est peut-être là. Hein. Non, on s'en fout, mais tout à coup. On va soigner par contre. Ah oui non, ça ramène chez les autres abrutis, ça. Ouais, c'est ça. On va remonter, mais c'est ça. Non, c'est ça. On va mettre un repousse quand on va remonter. C'est peut-être pas mal les fonds marins. Bon là encore on voit pas tout, mais alors super repousse. Du coup c'est pas où qu'il faut aller. Vous avez battu vous? Non, t'es pas battu toi. Oui, ils disent, de toute façon, il faudrait que j'arrive quand même à aller au centre avant. Histoire de me soigner un peu. Une étincelle. Étincelle. Je pourrais
prend une cascade et frigo un stab gros pour dégueulasse. Ah oui, alors là, il y a 8 pour en faire. Ah, mais je suis trop con, il y a des trucs. Oh, il est con. Bon, pas on va faire un sonic boom, on va se barrer. On est démoulin. Le lumière. Je ne sais pas. Parfait. Ah bah, nous l'a évolué du coup. Fougleur. Parfait. Bon, du coup, on regarde un peu ses stats là en phase 2. Donc, j'ai beaucoup de PV, ça c'est très bien. Là, ça va, il est à peu près équilibré en défense PA, en attaque CP. Après il faudrait juste une autre attaque. Oui, je vais la prendre à Zéglas. Je sais pas s'il la prend naturellement pour le coup. Ah oui, là c'est. Oui, d'accord. Bon, déjà, on va faire un truc. On va essayer de débloquer. Mais putain, il est ici, putain de nageur à la con. Voilà. On va débloquer l'autre ville, comme ça nous fera un voyage rapide. Alors, toi, tonnerre instant. Accélérer un peu, on va mettre en repousse, on va mettre en repousse, j'ai dit. Parfait. Continuer. Alors là, non, c'est pas là encore, c'est là, je crois. Pourquoi est-ce qu'il y aura lui? Parfait. Au Bali. Bon, du coup, on va envoyer une lunette. Plaquage. Parfait. On va continuer du coup. Il y a un gros serveur. On a 22 minutes d'épisode, on a encore pas de trucs à faire. Du coup, tonnerre. On ne veut pas le tuer, je pense. Voilà. Du coup, ça nique boum. En vitesse, putain, mon truc n'est pas fort. Oui, mais. On va rester. Faire étincelle. Voilà. Ah, quand on va rester comme on est. On va accélérer un peu. Je voudrais bien essayer d'arriver à l'autre ville avant. Au prochain épisode, du coup. Bon, là, on va faire une étincelle. Oh, il fait l'illipite, le sale pute. Ce n'est cool. Bon, l'illipite, ça augmente l'esquive, du coup, c'est comme le reflet. Viens là. Allez, on continue, l'équipement étincelle, avec la bruit. Mais je peux en TP, mais. On va changer, on va mettre. On va mettre assaut. Du coup, on va continuer. Un peu sans moi. On va taper une danse d'alco. On va piquer. À l'enculé. Non, ça va. Non, c'est pas effort. Du coup, là, il n'y a rien. On verra après de toute façon. Enfin, tous les dresseurs qu'il y a là, essayer d'aller à l'autre ville. On va piquer.
obligé de taper au moins dans ce gars, je pense. Hop. Ligotage. Ah, il tient un PV. Et après, ils font ça. On est 34. Enfin, il y a plein de combats. Là, je ne me rappelle plus qu'il y a autant de combats. Le 10, alors ça, c'est du caca. Une potion. On va mettre une potion sur mon net aussi. Là je rachète des potions et là il faut que je rachète beaucoup d'idées de potions. Azumarill. Enfin il y a un draco. Un plaquage. Damoclès si tu veux. T'as pas le glace. Et on pique. Continue. Oh, on est arrivé, c'est bon. C'est nickel. Il semble qu'il y en a un qui donne retour. Hein. Retour, ça pourrait être pas mal. Retour. Donc là, retour. Ton Pokémon est caméra, pas de doute, je donne 20. Il donne retour. Alors, retour, c'était une attaque normale, physique. Et la puissance dépend du taux de bonheur de votre Poké. Il y a un Pokémon volant. Je crois qu'il y a un échange aussi ici. On va se garder là. Enfin, on va se soigner là. Du coup. Est-ce que je peux rentrer dans le truc de Rayquaza avant? Je crois que c'est en bas là. C'est soit cette maison là ou l'autre. Peut-être elle. Voudrais-tu... Oh oui, oui, c'est lui. Si je trouve un Drabi, je le donne pas pour un putain de contrat. Ah, vous me fichez avec les mirages, là, qui arrive jamais. Qu'est-ce qu'il fout là, pêcheur? Pilier céleste. Ah, oui, c'est pour ça. Bon, bah, du coup, on va se barrer de là. Du coup, on a notre TP. Asmo. Non. Vol. Du coup, on a notre TP. Faudrait qu'on aille là en fait. Du coup, on va repartir vers le glacier. Là, vous voyez que c'est le boxon à cause des autres cons. Hein. Là, faut que je refasse du plein. Du coup, j'étais obligé de prendre des putains de se repousse. Alors, ça, tu reprends 20. Ça, c'est tranquille. Et puis, ça, tu peux en prendre 10. Non, comme ça, j'ai pas besoin de tourner. On va continuer. Surf. On va prendre une super repousse. Du coup, c'est là, je crois. Je sais jamais où c'est, putain. Faut que je regarde la carte. Il faut encore continuer plus bas, je crois. Genre, c'est là, je crois. Je sais jamais comment y rentrer dans cette putain de carte. Il y a un objet là. Bon, ça, oh, du coup, non, ça c'est bien. Je sais qu'il y a le mec des tessons. Au loin aussi. Ah, on s'y approche. Hop. Ouais, voilà, c'est là. Ah, oui, alors là, je peux avoir un poké. Une grande perle. En vrai, le mieux ici, ça sera un Pokémon à la con et un poisson. C'est pas top non plus. Quoique il a. Donc il y a plein d'objets à récupérer par là. Et quelqu'un, ça c'est très très bien les quelqu'un. Continuer. Monter là-haut. Là, un objet aussi, hyper beau, bon ça c'est plus commun.
poussière et tout ça, c'est de l'argent. Pas pocket zone et j'ai forcément un putain de truc qui perd. Je peux pas faire évoluer. Fuite. Tant pis, j'aurai pas de poké dans cette zone. Poké perle, tant qu'on peut pas. Oh putain, j'aurais pu avoir un putain de loupio. Ah. Ah, j'ai déjà pris là. Ah, faut que je tombe sur cette grosse merde de poké perle. Allez, dégage. On va l'arriver. Alors là, oui, on voit les deux cons se foutre sur la gueule. On a le droit à une cutscene. Et du coup, il y a Bourdon qui met la sécheresse. Ça se bat, ça fait une bagarre de climat, on score en 5G, on se trouve 5G. Incroyable. Bla bla bla. Ah oui, c'est vrai que je peux pas débloquer tous les bordels tant qu'ils sont là. On va voir ce qu'on va faire. On va se soigner, on va essayer de faire la quête. On a combien? 30 minutes? Oh, on est large. Bon, j'ai jamais fait gaffe, ça faisait quoi si on allait y reparler? Non, rien du tout. Ah, il y a des imbéciles qui sont là. Arrête, je t'en prie, connais les pouvoirs, blablabla. Bla bla. Alors, les types s'inquiètent de la destinée d'Owen. Oui, si seulement, hein, mais oui, elle va être complètement détruite. Mais ils voulaient raser toute l'eau de la putain de terre, cette espèce de crétin. C'était ça son but. Putain, s'il n'y a pas d'eau, tout le monde crève. Et lui, il voulait mettre de la flotte partout. Et s'il n'y a pas de terre, on crève tous aussi, bande d'abrutis. Quand je vous dis que c'est une bande de guignols, ces deux-là. Bon, allez, toi. Des Pokémon, ça se trouve, ont été tirés de leur long sommeil. Et maintenant, ils sont prêts à s'en prendre un tisan, hein. Zeno, hein. Viens avec moi, alors on le suit. Ah, bon, blablabla. Bla, bla. Mais arrache pas, chope un Pokémon, ça me semble. Alors, je crois que tu seras en mesure de l'aider. Alors là, il y a des Pokémon. Hein. Peut-être entrer dans la boue. Y'a pas de poké? C'est bizarre, ça me dit qu'il y avait des pokés. Je peux confondre avec Ruby Saphir peut-être. Pas de poké. Ah. On est dans ce faire un petit. Donc on peut choper des mustibules. Y'a pas de poké là du tout. Et là dans cette pièce là, y'a pas de poké. Non, y'a pas de poké. C'est bizarre. Il semblait qu'il y avait des poké là. Dans Ruby Saphir, je pense. Bon, on va regarder s'il y a autre chose que des putains de sortie. On va se faire un petit 34. Bon, il y aura que des nœuds sur un petit, on va continuer. On va pas passer 30 ans là-dedans. Hop. Hop, hein, tu parlais de tes exploits, je m'appelle Marc, je suis champion. C'est lui maître de la ligue, hein, pour info. C'est lui qui était l'ancien maître. Enfin, qui était le dernier badge ici. Et il passait maître du coup. Oui, Rayquaza, blablabla, Rayquaza. Peut-être sais-tu où se trouve, oui. Grotteuse, non. Alors j'ai mis flic, mais c'est pas ça, c'est le pilier céleste. Pilier céleste. Voilà, alors il veut m'attendre au pilier céleste, mais c'est moi qui vais aller chercher. C'est lui le maître de la ligne. Il est toujours marin, c'est un jeu poké. Bon, du coup, on va se barrer de là. On va faire vol, on va retourner à Passivyville. Hop, on va aller par là. On a le pilier céleste. Alors, il y a des pitons poké. Goyis, on s'en fout, j'ai déjà un. Un machin, là, comment ça s'appelle? Putain, je suis perdu son nom.
super pouce. Un bec qui peint. On va lui montrer du machin. C'est là. Hop. Tac. On va continuer. Je sais qu'on peut choper un poké là, par contre. Mais je sais pas où on s'en fout de l'étage. Ah ouais, mais faut que je fasse gaffe, les putains de Kaorin qu'il y a là-dedans, ils ont des structures. Ou c'est après qu'il y a des poké, je sais jamais. Non mais dis pas qu'il faut le vélo tout de suite, le bon vélo. Parce que c'est mort. Bon allez, est-ce qu'il y a des pokés? Peut-être pas cet étage là du coup. Ou c'est peut-être après d'ailleurs. Ah bah Branette, parfait. Parfait. Oh si c'est pas pour ça, c'est pas trop bon. Du coup qu'est-ce qu'on a dû faire? Tant qu'on souffle. Ouais, parfait, je me paralyse en plus. On va le capturer. Hyper bon. Pas de Branette. Pas de Branette, parce que préférer se faire Harakiri, c'est Pokémon à la con. Bon, il va au con de lézard vert. Hein. Alors, pour info, lui, on peut y aller après. Tout le bordel qui se passe, on peut aller le capturer après. Et autant vous dire que le Pokémon est complètement craqué. Il s'est barré du coup. On peut se barrer aussi. On retourne à la ville. On fait chier. J'ai raté ma capture là. Par contre, ça c'est chiant. Bon, là vous allez voir la cutscene du jeu. Les ajouts en réalité de l'émeraude. Il n'y a pas ça dans Ruby Saphir. La musique est pas mal par contre. Bon, vous venez d'apercevoir l'intervention de Pascal, le grand frère, du coup. Hein, grosso modo, c'est ce qui s'est passé. Hein. Bon, on va revoir les deux guignols. Bon, là, il me dit d'aller à l'arène, mais je vais pas y aller tout de suite. Ah bah, Pocket Zone, Agicarp, j'en ai un. Du coup, voilà, ils sont partis. Ah ah ah, c'était trop marrant, on a foutu le boxon, on est trop cool. Oh là là, voilà, il se barre. Du coup. On dirait hein, peut-être sont-ils allés au même déposer les ormes. La mission était bonne, blablabla. Bla 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 bla. Et là, il me donne cascade, c'est parfait. Bon. Alors, j'ai pas envie de faire l'arène tout de suite, de toute façon. Toi, tu donnes des. Attends, c'est... Ah oui, non, tant qu'ils sont pas encore. Donc, on va rentrer dans un bâtiment. Paf, toi, tu me donnes quoi? Tu donnes rien. Oh, je sais qu'il y en a un qui donne casse-brique. On va aller chercher tout de suite d'ailleurs. Tac, tac, tac. Non, ma case break, toi. Non, c'est pas là. Il est où ce con? Oui, il est là. Parfait. Donne-moi case break, toi. Allez, donne-moi case break. Voilà, parfait.
plus rien à faire, je crois. À part me monter mes potiers de niveau. Du coup. Parce que je vais pas tenter l'arène tout de suite. Hein. Faudrait quand même que je prenne quelques niveaux. En vrai, je pourrais la faire l'arène. Mais ça risque, je risque de perdre des potiers, étant donné des potiers. Du coup, on est là. Ah, on peut pas y aller là, du coup. On va soigner. Parfait, là si je veux, je pourrais aller choper Rayquaza par exemple. Mais on va pas le faire. Du coup, on a 40 minutes. Donc, du coup, on va s'arrêter là. Je vais me poster devant l'arène. Bon, du coup, c'est pas passé grand chose dans l'épisode. Hein. On a vu l'évolution de Lunette quand même. On a vu les cutscenes, tout ça. Puis, je vais essayer de mettre à peu près tout le monde à niveau. De toute façon, là, c'est comme si qu'on avait que... Parce qu'en vrai, j'ai rien pour la faire, la reine, là, à part boule magique. Parce qu'ils vont tous avoir des airs glaces et compris comme ça, en boréal, alors ça va être compliqué de sortir à ce moment. Et Demohan, tant qu'il a pas séisme, c'est compliqué. Quoique j'ai toxique, ça peut aider, toxique. De toute façon, il apprend pas séisme pas avant le niveau 52, je crois. J'ai la CS, mais j'ai pas envie de la gâcher, la CS. Je pourrais peut-être la prendre à ce moment ou un autre poké. Bon, on verra bien comment ça se déroule. De toute façon, j'essaierai de faire un petit leveling. Quand même, essayer de monter à peu près vers les 40, 42, 43, je pense. Il y a encore quelques dresseurs qui restent. Bon, les dresseurs, je vous les ferai peut-être pas en vidéo, les dresseurs qui restent, parce que c'est chiant. Et puis là, on arrive quand même à la fin du Nuzlocke. J'espère. Enfin, j'espère à la ligue, surtout que ça se finisse. Et au dernier champion et que je gagne. Parce que là, en vrai, je pourrais perdre des pokés, c'est ça le problème. J'ai presque envie de poser GKN dans le PC, pour vous dire. Sinon, je pourrais prendre un poké, faire une strat à la con. Bon, en vrai, je pense que ça peut passer avec Toxic. Je veux Toxic. Bon, ce qui me fait chier, c'est qu'il a un poké au sol. Et ça, j'ai rien pour le prendre, par contre. Bon, on verra bien. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette... cet épisode de cette 12e partie de Pokémon Emerald, sinon j'ai du mal, en Nuzlocke Challenge. Et je vous dis bye bye et à la prochaine. Tchuss.